retardée lorsqu'il y a, elle ne s'arrête pas complètement, mais elle est retardée lorsqu'il y a un stress dans la vie des individus. Et ainsi, on peut aller dans le détail du détail, et on peut travailler comme ça sur ce type de nécropole. Ça, c'est une nécropole où ils ont trouvé donc une série de squelettes, avec quoi ? Avec plein de poils de flèche. Et on est en plein dans les nécropoles de bataille, de guerre. Parce que les guerres font partie de l'histoire de l'humanité. On peut également étudier ces squelettes et voir un petit peu analyser les dents et retrouver, on va dire le virus comme ça, de la peste. Yersinia pestis. Savoir à quel moment cette maladie a commencé et elle a ravagé des gens, elle a été à l'origine de la décadence d'une ville. On cherche souvent, nous, les causes dans les tremblements de terre, mais les épidémies aussi, sont des causes de disparition d'un peuplement dans une ville. Alors que nous recherchons la continuité historique, il peut y avoir des ruptures, comme la rupture qui existe à Delis entre le 5e, 7e, on n'a pas de source. Et donc, c'est très important. Mais pas uniquement pour les anciennes sources. Regardez cette fosse. Hein, c'est une fosse, ce n'est pas une nécropole. Une nécropole, c'est des tombes où on met chacun dans sa tombe. Regardez comment ils sont empilés. Et qu'est-ce qu'on trouve ici? C'est une godasse. Voilà une chaussure. Eh bien, ça, ce sont des morts de la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire que nos morts de la Révolution, on peut les étudier, on peut faire de l'archéologie funéraire. Que fait l'État lorsqu'il trouve des squelettes? Il les enlève et il les remet dans une tombe avec une petite fête, voilà, pour les commémorer. Mais ça, c'est faux, c'est complètement faux. D'abord, lorsqu'on les trouve, il faut les dénombrer. Parce que nous, on dit qu'on a 1,5 million, les Français nous disent que vous n'avez même pas le tiers de ce que vous dites. Un, de dénombrer, faire ce travail de fourmi à l'échelle du territoire national. Deux, il faudrait voir de quoi ils sont morts. Demain, si je fais passer un dossier à l'ONU en disant « vous avez pratiqué la torture », il faut que je dise que la torture est argumentée par tel dossier, dans tel squelette, nous avons retrouvé telle trace. Là, c'est crédible. Or, nous n'avons rien pour proposer, pour imposer notre histoire. On fait de l'ultranationalisme sans argumenter, sans étayer avec des preuves. Et donc, en 2003, j'ai essayé, j'étais chef de projet pour la reconstitution de crâne d'un homme préhistorique. En fait, il y en avait deux. On a pu reconstituer qu'un seul. Évidemment, j'étais l'initiatrice du projet, mais on l'a fait avec des responsables du Val-de-Marne, avec la police scientifique, parce qu'ici, la police, même malgré le fait qu'elle ait le portrait robot, n'a pas voulu nous accompagner dans ce projet. Et donc, avec la police scientifique du Val-de-Marne, de Paris. Et on arrive à reconstituer des hommes préhistoriques. Évidemment, il y a là-dedans, il y a trois logiciels. Il y a le logiciel de le Warping, c'est un logiciel qui est utilisé dans Mars, la Lune, etc., dans la restitution des images. Et il y a le logiciel de portrait robot, et il y a un logiciel de retouche d'image, c'est-à-dire des épaisseurs de peau, qui sont calculées sur des Européens et non pas sur des Nord-Africains. Donc il y a une marge d'erreur. Mais si on fait ça, c'est pour les musées, évidemment. Ce n'est pas pour leur insuffler la vie, loin de là. Mais c'est pour les musées, et c'est pour que ces traces archéologiques s'imposent. Et lorsqu'on a des traces archéologiques, on a un passé. C'est pour ça que je vous dis à Delis, on a des cimetières, mais personne ne s'en occupe. Alors on peut raconter l'histoire culturelle, funéraire, les pathologies, etc. Mais on peut aussi raconter l'histoire économique de Delis. Le four d'insolite, qui est toujours à l'abandon, qui a été découvert en 2001 après les inondations. Eh bien, il démontre quoi? Qu'il y avait un savoir-faire artisanal local, que ces couvertures ici, ces toits en tuiles, on ne les ramenait pas de Dubaï,
mais on les faisait sur place. Donc il y avait un savoir-faire. Je dis Dubaï, c'est l'exemple qui me vient comme ça, n'importe quelle région ferait l'affaire. Ce que je veux dire, c'est que il y avait une indépendance. Alors, lorsqu'on découvre des choses comme ça, évidemment, on ne va pas tout azimut dire « Ah oui, ça y est, on avait une économie, on faisait nos tuiles. » Non. L'archéologie a des données, et après, on va les confronter pour écrire l'histoire. L'histoire, il faut toujours la tester. Eh bien, les données de l'archéologie concernant ce four, on va le découvrir. J'ai fait un article en 2007 en disant qu'il y avait à la fois, il était complet, c'est le four le plus complet d'Afrique du Nord. Qu'il était composé de l'alandier et de la chambre de combustion, mais après il fallait confronter ces données avec la mémoire des Éliciens. Et je leur dis, avez-vous entendu parler de vous? Ils disent oui, à l'époque on raconte. Kenu, ils diront Kermout Fedek Nagro. Et donc, là, c'est la tradition orale. Mais qu'est-ce que je fais pour confirmer ou infirmer tout ça? Eh bien, je fais des fouilles archéologiques. Rien n'est fait, évidemment. Je fais des fouilles archéologiques. Et après, je dis, oui, on avait une fabrique artisanale. Et vous savez que les tuiles, contrairement à la casbah d'Alger, qui n'a pas de couverture de tuiles, il y a des terrasses à la casbah d'Alger. La casbah de Délis est différente en ce sens que les maisons sont recouvertes de tuiles et c'est une spécificité de Délis qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc il y a une originalité de Délis qui est différente d'ailleurs. Je peux également, avec l'histoire, écrire l'histoire d'un monument. On revient à Jemaa el Fidea. Hein? Tous les chemins mènent à Jemaa el Fidea. Et donc, ce Jemaa el Kbir, dans les sous-bassements, lorsque la restauration a commencé, on avait envoyé ces photos-là. Ça, c'est le sous-sol. Alors, dans le sous-sol, voilà ce qu'il y a. Voilà ce qu'il y a. Il y a certainement beaucoup plus, mais moi, j'ai pas autre chose que ça. J'ai été empêchée d'entrer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jemaa el Kbir, c'est quoi? Jemaa el Kbir n'existait pas, évidemment. Vous savez que les Français l'ont construit en 47, ils disent l'avoir construit à l'identique. Et l'ancien Jemaa, qui a été décrit par Bugeaud, où il y avait de la pierre de taille romaine, l'ancien Jemaa était l'aulia spéta français de l'époque. Des archéologues du CNRA, du Centre de recherche d'archéologie, seraient venus, auraient fait un rapport en disant qu'il n'y avait absolument rien. Sauf que ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'était la Casbah. C'est la France qui a mis la route nationale 24, qui a coupé la Casbah en deux. Donc le sous-sol, forcément, il va renfermer des strates de maisons, peut-être des objets, qu'importe. C'est la recherche qui nous dira ce qu'il y a. Mais nous tenons ici un élément fondamentalement important de savoir qu'est-ce qui existait en bas. Lorsque la Casbah était d'un seul bloc, ben je crois qu'on ne le saura jamais, puisqu'ils ont dit non, il n'y avait rien. On va les croire, on dit il n'y avait rien. Même si on a un semblant de structure, de stratigraphie, qu'importe. Il n'y avait rien. Mais il y a l'histoire du monument qu'on peut écrire. On va dire comment ils se sont pris pour faire les fondations. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Et j'avais proposé ceci. Ça, c'est le musée, évidemment, des arts traditionnels de la Casbah d'Alger. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Là-bas aussi, c'était un palais, un ancien palais. Ils ont trouvé des sous-bassements. Ils ont fait faire une vitrine. Cette vitrine qui regarde par en bas, eh bien les gens, quand ils passent, ils regardent ce qu'il y a en bas et ils voient des fondations de l'ancien Alger. Non, moi j'ai proposé la même chose pour Délis.
bien avant les fouilles. Personne ne nous a entendus. Et certains nous ont dit, c'est une mosquée. On ne peut pas faire ça dans une mosquée. Alors, la mosquée, oui, elle est pour le culte. Elle est pour le culte. Les gens, mais dans toute la matinée, on peut l'explorer, on peut l'exploiter, pardon. Vous savez, avant-hier, il y a eu l'artiste Quraishi qui est venu à Alger exposer certaines toiles avant de les emmener où ? À la cathédrale de Casablanca. C'est là que tout le monde l'attend pour cette exposition. Alors que à l'époque médiévale, nos mosquées étaient des centres de rayonnement culturel, où il y avait les bibliothèques et toutes les annexes pour le savoir. Aujourd'hui, regardez la réaction des gens lorsqu'on leur dit « donnez à voir aux musulmans qui viennent voir, qui viennent prier, donnez à voir ce qu'il y a en bas de leur vie ». C'est comme ça qu'on attire et c'est comme ça qu'on convertit ces lieux, qu'on reconvertit, parce qu'ils l'ont été à l'époque, reconvertit ces lieux en lieux de rayonnement culturel. Alors évidemment, dans un pays affecté par la dissolution de ses héritages, l'archéologie constitue un véritable réservoir dans lequel puiseront les historiens pour écrire ou réécrire l'histoire. La politique patrimoniale ne vise pas seulement à restaurer un bâti, elle doit faire la promotion de la recherche en archéologie, mettre en place un programme de fouilles, intégrer certaines découvertes et aménager un espace muséal pour les objets. Alors, de même qu'on a fait un manuel pour nous dire comment la Casbah a été bâtie, construite, un manuel d'architecture, ou un manuel pour nous expliquer les matériaux, de même qu'il faut faire un manuel pour l'archéologie, pour intégrer ces strates à l'intérieur de ce secteur qui sera peut-être un jour sauvegardé. Alors, on écrit l'histoire par l'archéologie, mais pas en le disant seulement, il faut le démontrer. Mais on écrit aussi l'histoire par l'architecture, parce que l'architecture n'est pas une science fondamentale, c'est une science humaine. Elle doit interpréter l'espace qu'elle étudie. Et cet espace, et dans cet espace vont se mouvoir des individus, des personnes. Si je reviens au manuel qui a été fait par les Italiens, c'est un manuel qui a été fait pour la maison traditionnelle, comme l'a dit ma collègue, méditerranéenne. On parle de Riadat à un moment donné, mais jamais dans l'interprétation. Et là, j'ai installé une page pour vous montrer. Jamais dans l'interprétation, on dit que parmi les spécificités de la ville de Délice, il y a ces Riadats.